Merci de m'accueillir avec mon cher frère fidèle, Mesquilet, de Jeunesse Lumière, il est là-bas. Voilà. Alors je vais commencer par partager en toute simplicité un peu comment je suis là, la trajectoire de ma vie. Voilà. Maman était belge, papa français. Quand j'avais 4 ans, papa a dû partir en Chine pour son travail. Et il est très malade, maman a dû le rejoindre là-bas. Et du coup, elle m'a laissé avec mes 3 frères dans un petit pensionnat en Suisse, mais qui m'a paru vraiment comme un orphelinat. J'avais l'impression d'être abandonné de mes parents. Et donc, je suis devenu un petit garçon très, très replié sur lui-même. J'avais peur de tout le monde. Je bégayais. Je ne pouvais pas parler normalement. Et je pleurais toutes les nuits. Voilà. Et surtout, je ratais tous mes examens. Et alors, c'était très humiliant. Chaque samedi, quand on donnait les notes, j'étais toujours dans les derniers. Mais je réussissais pour 2 trucs. Les championnats juniors de ski et le piano. Voilà, donc je rêvais d'être chef d'orchestre l'été et champion de ski pour les JO l'hiver. Voilà, c'était mon rêve. Et puis tout a basculé un jour, un certain 13 juillet à 9h25. Nous avons retrouvé notre famille qui était dispersée depuis un an. Donc c'était une grande joie et tout de suite on a été remercier le Seigneur dans une petite chapelle. Et après avoir chanté et tout ça, papa qui dit « Seigneur, nous allons prendre maintenant 1 minute de silence pour t'écouter au cas où tu as quelque chose à nous dire. » Voilà. Eh bien, le Seigneur a sauté sur l'occasion. Il faut croire que ça ne lui arrive pas beaucoup qu'on lui offre 1 minute de silence. Et c'est pendant ce moment que j'ai senti Jésus qui m'appelait, tout simplement, comme une voix dans le cœur qui disait « Daniel Ange, as-tu envie de me suivre, de faire ta vie avec moi, de m'aider à sauver le monde ?» Mais c'est juste une proposition. Et c'est ça qui m'a bouleversé, c'est que Jésus respectait totalement ma liberté. J'étais très très fort, mais il ne me forçait pas, il ne me violait pas, et j'étais comme je voulais finalement. Et je sais très bien que si j'avais dit non à ce moment-là, le Seigneur m'aurait laissé tranquille, il serait peut-être revenu à la charge 2 ou 3 fois, je ne sais pas, et du coup je serais peut-être devenu champion de ski, chef d'orchestre, et du coup j'aurais pas eu la joie d'être avec vous ce matin ici à Lisieux. Voilà. Alors c'est un événement, je me rappelle comme si c'était hier soir, tellement ça s'est imprimé dans ma mémoire. Ce qui m'a aussi beaucoup touché, c'est que justement Jésus ne s'imposait pas et qu'il était comme un petit pauvre et qu'il mendiait mon amour, mais sans me forcer du tout. Et la seconde chose, c'est que mes profs institutrices me méprisaient beaucoup. Ils disaient toujours, t'es bon à rien, t'es nul, tu feras rien de bon dans la vie. Et là, il y avait le Seigneur lui-même, le créateur des galaxies, qui comptait sur moi, un petit garçon de 12 ans. Vous voyez ? Et ça m'a vraiment bouleversé. Et papa m'a conduit dehors parce que je pleurais. Alors mes parents se demandaient ce qui m'arrivait. J'ai dit, mais c'est des pleurs de joie, car j'ai répondu oui à l'appel de Jésus. Voilà. Et papa m'a conduit dehors, sur le ciel étoilé, et m'a cité un texte de la Bible. Chaque étoile répond joyeusement au Seigneur qui l'appelle en tressaillant de joie et de lumière. Voilà. Alors tout de suite, ça a été l'appel à devenir moine. Voilà, dans un grand monastère. Mais le père abbé ne voulait pas m'accepter à 15 ans. Alors j'ai fait comme la petite Thérèse, mais je ne savais pas du tout qu'elle avait fait ça. Je ne la connaissais même pas à cette époque-là. Eh bien, mes parents m'ont conduit voir le pape pour demander qu'il fasse une lettre donnant l'ordre au père abbé de m'accepter dans son monastère. Voilà.
Alors, j'étais très touché parce qu'il m'a beaucoup écouté, il a mis ses deux mains sur mes épaules, il m'a dit « dis-moi tout ce que tu veux me dire ». Voilà. Alors, il ne m'a pas fait la lettre que je lui demandais de faire, il ne m'a pas obéi, mais il m'a exhorté à la patience, à faire confiance et tout ça, et tout ça. Finalement, le père Abbé va m'accepter à 17 ans. Voilà. Il va voir mon service militaire comme infirmier dans l'armée belge, parce que pour ne pas porter d'armes, tous les religieux, les prêtres sont dans les hôpitaux, ce qui est très beau dans le service. Voilà, et j'étais garçon, enfin infirmier plutôt, en salle d'opération pour les opérations de chirurgie esthétique. C'est-à-dire refaire un visage d'après la photo, après un accident qui a défiguré le visage. C'est très très beau. Et maintenant que je suis prêtre, je suis devenu chirurgien esthéticien de Dieu. Parce que ce qu'on appelle le sacrement de la confession, c'est la chirurgie esthétique divine. C'est le Seigneur qui nous rend notre beauté, notre splendeur de petit enfant de Dieu. Voilà, ça préparait déjà. Voilà, voilà. Et puis après, j'ai été envoyé, mon père Abbé m'a envoyé en Afrique, carrément, au Rwanda. Je ne sais pas si vous savez où c'est. Tout à fait, le cœur de l'Afrique, ce qu'on appelle la petite Suisse de l'Afrique, un pays de haute montagne, 2000 mètres d'altitude moyenne, avec des volcans de plus de 4000 mètres. Pays de volcans, de lacs, pays splendide, splendide, voilà. Et donc je suis parti en bateau, et quand j'ai vu mes parents qui pleuraient sur le quai de Marseille, parce qu'on pensait ne plus jamais se revoir, je pensais à tous ces parents qui pendant 2-3 siècles ont offert leur fils ou leur fille, qui partaient comme missionnaires à l'autre bout du monde, et qui souvent étaient tués, mouraient martyrs et tout ça. Et il ne faut pas les oublier, ce sacrifice qu'on fait. Tant de parents pour que Jésus soit connu et aimé à l'autre bout du monde. Alors, j'avais moi-même un oncle qui m'a beaucoup marqué quand j'étais petit. Un oncle qui était missionnaire au Cameroun et qui a été tué parce qu'il protégeait une jeune fille contre son violeur, son agresseur. Il s'est interposé et a dit, c'est une chrétienne, si tu veux la tuer, ben tu me tues, mais tu l'épargnes. Voilà, parce qu'elle est libre d'épouser le garçon qu'elle aime. Vous savez que ça a été la grande lutte du christianisme pendant des siècles pour que les jeunes soient totalement libres de se marier avec celui ou celle qu'ils aiment et pas imposé par le chef de famille, comme c'est encore le cas d'ailleurs dans un grand nombre de pays aujourd'hui, dans un grand nombre de pays traditionnels, du paganisme traditionnel ou de l'islam intégriste, et c'est le père de famille qui décide qui tu dois épouser, même si tu l'as jamais vu, mais je l'ai jamais connu, j'ai arrangé ton mariage samedi, etc. Avec qui, avec une telle, je ne connais pas, mais ça fait rien, tu la connaîtras, et voilà. Donc tu es obligé de te marier avec quelqu'un que tu n'as jamais vu, je n'ai jamais connu, tu ne sais pas si tu vas l'aimer, c'est effrayant. Et l'Église s'est battue justement pendant des siècles pour libérer la fille, surtout de cette emprise du père de famille. Alors c'était dans ce contexte-là, parce que celui qui voulait la violer, c'était celui qu'elle devait obligatoirement épouser. Et comme elle était chrétienne, elle a dit non, je me marie avec celui que j'aime. Et du coup, le régisseur l'a tué par 3 coups de lance en plein cœur. Et tout de suite, il s'est repenti, il est tombé à genoux, a demandé le pardon. Alors, le prêtre lui a donné le pardon et est parti au ciel. D'une pierre 3 coups, la fille protégée, l'agresseur converti et le prêtre dans la gloire. C'est une histoire qui m'avait beaucoup impressionné, surtout qu'à la maison familiale, on a gardé
sa soutane, encore mercredi, et de sang. Et tout. Et quand j'étais petit, ça m'impressionnait beaucoup. Voilà. Donc je suis parti au Rwanda, après 3 semaines d'autostop, à travers tout le Kenya, le Ghana et tout ça. Et là, je suis tombé follement amoureux, mais vraiment le coup de foudre à la frontière. Le coup de foudre, pas pour une fille, mais pour tout le peuple du Rwanda, toute la nation. Follement amoureux de ce peuple, où je vais voir la race vivre presque 13 ans, dans une petite île, dans un grand lac, comme 5 fois le lac Léman, une petite mer, et il fallait 3 heures de pirogue pour arriver à notre île. On gagnait notre vie en pêchant le poisson la nuit avec les pygmées, dans les petites pirogues, en attirant les poissons avec la lumière. Alors c'est comme ça qu'on évangélise, c'est par contagion de joie, par rayonnement de lumière, on attire les petits poissons dans les filets du Seigneur. Voilà, et donc c'était une très très belle vie. Je rêvais de rester là toute mon existence. Et voilà qu'après 13 ans, ma fraternité me demande de revenir en Europe pour une rencontre avec les frères et sœurs de différents pays, de cette petite fraternité. Et là, ils m'ont kidnappé en Europe. Voilà, et tu es là, ben, tu restes là. On va laisser les frères africains là-bas. Et voilà, donc ça a été très très dur. Mais avant de quitter le Rwanda, je vais dire un petit mot. Parce que après que j'ai quitté, il y a eu une terrible guerre civile. Vous avez peut-être entendu parler, il y a 20 ans, un véritable génocide, voilà, entre deux ethnies dans le pays. Et là, il y a eu des miracles de courage, de générosité, surtout chez les jeunes, qui sont extraordinaires. Je vous donne juste un exemple, c'est Félicitas, une jeune fille qui avait caché 49 jeunes filles de l'autre ethnie que la sienne, de l'autre race que la sienne. Donc, elle avait caché dans sa cave, et la nuit, quand il n'y avait pas de clair de lune, elle tâchait de les faire passer la frontière du Congo. Il n'y avait pas la guerre à ce moment-là. Et c'est très risqué, il prenait des risques énormes. Voilà, on passait en rampant par terre la frontière. Et puis un jour, l'armée qui participait à cet horrible génocide ont découvert justement toutes ces jeunes filles cachées dans sa cave. Alors ils m'ont dit, écoute, c'est génial pour toi parce que justement ton frère c'est notre colonel. Et il nous a envoyé pour tuer toutes ces jeunes filles que tu as eu la bêtise de protéger. Mais toi, elle t'attend à déjeuner. La chip est là et il t'attend pour déjeuner. Elle a répondu un petit mot par écrit qu'on a encore maintenant, c'est une vraie relique, où elle dit, mon cher frère, tu es en train de faire l'enfer sur la terre, je ne veux pas que tu ailles en enfer, je vais te retrouver un jour au ciel avec maman, et de toute façon, tu ne me sépareras jamais de ces jeunes filles qui sont mes sœurs en Jésus, et ou bien tu nous tues toutes, ou bien personne. Voilà. Et 3 fois de suite, il envoie un officier pour la supplier de venir, et 3 fois de suite, elle refuse. Et finalement, ils sont tous tués en chantant les litanies de la Sainte Vierge, et elle, la dernière. Alors, des choses comme ça, il y en a eu des centaines. Mais bon, les télés, les journaux n'ont jamais parlé. Et j'ai souvent remarqué ça, qu'on nous raconte uniquement les pires horreurs, et jamais les splendeurs. Voilà. J'ai vécu ça aussi plus tard au Liban. Je suis allé dans ce cher pays. En pleine guerre, il y avait aussi une terrible guerre dans ce pays pendant 20 ans d'ailleurs. Et là, je voyais des choses extraordinaires, des jeunes dans les écoles comme ça, qui en sortant de la classe me disaient, on se reverra peut-être pas, parce que je vais essayer de ramasser les blessés dans la rue pour les conduire à l'hôpital. Ils se mettaient un petit groupe comme ça. C'était l'époque où il y avait les snipers sur les toits, et donc ils tiraient sur les gens comme ça, du haut des
ou trois. Ces jeunes, avec beaucoup de courage, volontairement, partaient pour essayer de sauver des vies, au risque de leur propre vie, évidemment, de façon à tuer eux-mêmes, mais on ne supportait pas que des blessés meurent comme ça sur le trottoir. Donc un héroïsme extraordinaire, les jeunes de 16, 17, 18 ans, ça m'a beaucoup touché. Voilà. Il y avait aussi des miracles de pardon qui m'ont beaucoup impressionné. Par exemple, au Rwanda, j'ai connu une jeune fille qui renonce à poursuivre ses études parce qu'elle se consacre entièrement à élever les petits orphelins dont les parents ont tué ses propres parents. Donc les enfants des tueurs de sa famille. Voilà. Et donc elle renonce à tout pour que ses enfants, devenus maintenant orphelins, eh bien, puissent grandir avec, dans l'amour et dans l'affection. Et puis une autre jeune fille au Rwanda qui rencontre les meurtriers de sa famille, parce qu'elle a tout vu, elle était cachée dans la bananeraie, et les rencontre évidemment dans une rue. Elle sait qu'elle peut très bien les dénoncer, elle sera mise en prison, mais elle dit « je ne les dénonce pas, mais je prie pour leur conversion. Je jeûne plusieurs fois par semaine pour obtenir leur conversion. Je ne veux pas leur condamnation, je veux leur conversion. » C'est extraordinaire. Bien, je vous rappelle encore, ça c'était à Paris, mais puisque je parle un peu des pardons héroïques, c'est une fille qui s'appelle Chantal, qui a été tuée à 16 ans dans le parc du Trocadéro à Paris par Frédéric, qui avait 17 ans. Voilà. Frédéric voulait la violer, elle s'est refusée et tout, donc il l'a tuée. Et pendant le procès, ses parents ont demandé au juge, ont dit au juge, Frédéric est un garçon très violent depuis qu'il est petit, mais c'est simplement parce qu'il est orphelin, il n'a pas de parents, il n'a jamais été aimé, et donc la violence, c'est son cri, ça veut dire aimez-moi, je suis là. Et ce n'est pas la prison, monsieur le juge, qui va le guérir, c'est l'amour. Donc, plutôt que l'emprisonner, nous vous demandons de pouvoir l'adopter dans notre famille. Il prendra la place de Chantal, Chantal. Et le juge demande au petit frère de Chantal, Robert, qui a 12 ans, « Et toi, qu'est-ce que tu penses de cette idée complètement folle de tes parents? Est-ce que tu vas supporter la maison d'être avec le meurtrier de ta grande sœur ?» Et le petit qui répond, « Monsieur le juge, je sens que, au ciel, ma sœur Chantal me demande d'aimer Frédéric. Elle veut que je l'aime, donc je veux l'aimer et je ne vois pas de problème qu'il soit à la maison. » Et le juge, tenez-vous bien, a éclaté en sanglots. Et il a dit, de toute ma carrière, je n'ai jamais rien entendu d'aussi grand et d'aussi beau. Vous voyez, c'est une très belle histoire. Alors, je continue mon petit itinéraire après ce petit... Ah oui, avant de quitter le Rwanda, encore vous raconter une apparition de Marie très belle à Tibéro, dans une école, dans un pensionnat de jeunes filles, donc c'est des filles de 12 à 16 ans, et Marie est apparue pour la première fois dans le réfectoire pendant qu'Alphonsine, 14 ans, servait à table. C'était son tour de service. Et tout à coup, elle tenait son plat de lentilles, et tout à coup, elle voit la reine du ciel, comme ça, au milieu des tables, et ça, alors elle tombe à genoux, et toutes les lentilles tombent à terre, mais ça fait rien, Marie est là, donc ça vaut un plat de lentilles, voilà. Et puis après, elle va apparaître dans le dortoir, au moment de la prière du soir, elle vient partager la prière, voilà. Alors, ils sont trois à la voir.
Et quand l'évêque apprend ça, il est très très heureux, mais en même temps très triste, et il dit à Alphonsine, mais écoute, dis à Marie que j'aimerais bien qu'elle apparaisse ailleurs que la nuit dans un dortoir de jeunes filles, parce que les garçons du diocèse ne peuvent pas venir aux apparitions, parce que je ne peux pas permettre à des garçons de rentrer la nuit dans un dortoir de jeunes filles. Ça ne se fait pas, n'est-ce pas? Alors dès le lendemain, Marie dit, ben ok, à partir de samedi, j'apparaîtrai chaque samedi à 3h d'après-midi sur le terrain de foot de l'école. Et du coup, les garçons pouvaient venir. Et voilà, et pendant 4 ans, Marie est apparue, elle apprenait beaucoup de chants. Et l'on voyait chacun en mission. Il y en a un qui devait aller prêcher aux prêtres, il y a une autre qui devait animer des missions paroissiales, une autre qui devait animer des rencontres de jeunes, etc. Chacune a reçu un ordre de mission, c'est très beau. Et le pape a reconnu très très vite ses apparitions, juste 20 ans après. Voilà, c'est très beau, qui béo. Oui, puis elle s'est montrée au courant de chaque élève. Par exemple, elle va dire à Natalia, tu vas t'occuper spécialement d'une telle parce qu'elle est tombée enceinte, elle ne sait pas encore, et tu vas tout faire pour qu'elle garde son enfant et qu'elle l'aime. Vraiment, je te la confie. Voilà, donc on voit Marie qui sait tout. Et un jour, Marie, donc la reine du ciel, qui lui reproche d'avoir pas essoré la sainte pierre avant de venir à l'apparition, en disant, mais tu dois toujours l'essorer parce que sinon elle s'abîme. Voilà, Marie qui s'intéresse aux tout petits détails de la vie quotidienne. Alors voilà, mes années de Luanda, ça a été des années de lumière, de beauté. Et quand je suis revenu en Europe, ça a été un peu un électrochoc. Vraiment, j'étais complètement perdu. J'ai dû me réhabituer, me réinculturer, comme on dit. Et j'étais très, très bouleversé de sentir qu'il y avait beaucoup, beaucoup de désespoir chez tant de jeunes. Et donc, j'ai demandé à Jésus de me donner un signe de ce qu'il voulait faire, s'il voulait que je fasse autre chose que simplement prier comme moine dans un ermitage. Et du coup, mes supérieurs m'ont envoyé dans un petit ermitage dans l'arrière-pays de Nice. Et je suis resté là pendant 7 ans avec cette question, qu'est-ce que tu désires pour moi ? Et souvent la nuit, quand vous êtes très froid l'hiver, l'ermitage était au fond de la vallée, pour économiser du bois de chauffage, je montais à 4h du matin sur les sommets enneigés, et pour aller rejoindre le soleil, si je puis dire. Et de là-haut, à la fin de la nuit, je voyais toutes les petites lumières de Nice, Antibes, Cannes, qui brillaient la nuit. Et je me disais, c'est terrible. Moi, j'ai tout. J'ai la parole de Dieu, le corps et le sang de Dieu. J'ai les pardons de Dieu. J'ai tous mes amis au ciel, les anges, les saints. J'ai la plus grande famille qui existe sur la terre, qui est l'Église. Dans tous les pays du monde, j'avais trouvé mes frères et sœurs baptisés, mes frères et sœurs de la chair et du sang de Jésus. Partout, j'ai tout. Et puis là-bas, on se flingue, on se suicide, on s'autodétruit par désespoir, etc. Des suicides passent tous les jours dans ces villes. Et c'était terrible. J'étais comme un déchirement du cœur. Et je me posais cette question, comment faire passer tout ce courant de vie, d'amour, de lumière, de beauté, depuis l'autel au bordel. Voilà, depuis l'autel où l'amour se donne en hyper plénitude jusqu'à ces lieux où on détruit l'amour, où on abîme l'amour. Et donc ça a été ma grande question, et c'est après 7 années que la réponse est venue par un petit billet griffonné à la hâte d'un jeune Martin de 17 ans
qui me dit mon école, 3500 élèves, c'est un bourrois, il y a des suicides et tout, personne ne nous écoute, personne ne nous console, on nous donne tout sauf l'essentiel, viens nous donner Dieu. Viens nous donner Dieu. Dernière phrase, Église, n'oublie pas tes enfants. Je montre ce petit mot à mon évêque qui m'a pleuré et qui me dit, tu n'as pas le droit de ne pas répondre à ce SOS. Je t'envoie. Et là, ça a été le grand tournant de ma vie. Après de longues années de vie uniquement contemplative, comme on dit, dans un monastère, une petite fraternité, et là, j'étais envoyé, propulsé, j'oserais dire, vers tout ce monde de la jeunesse occidentale contemporaine. J'ai débarqué dans cette école, j'étais tout craintif, tout tremblant, je n'avais jamais parlé à des groupes de jeunes, et j'ai vu les 3000 élèves en 3 jours, ils se relayaient dans la salle du cinéma, par groupe de 100, du matin au soir. Des fois, ils faisaient un sitting, après 1 heure, ils refusaient de partir, en disant qu'on peut encore t'entendre, etc., etc. Et ça s'est terminé par une messe, je n'étais pas encore prêtre, mais on a fait venir un prêtre, dans la chapelle de cette école qui était fermée depuis 20 ans. Plein de toiles d'araignées et tout. Et du coup, j'ai lancé l'appel pour ceux qui voudraient commencer un petit groupe de prière. Et pendant des années, il y a eu ce petit groupe de prière dans cette école. Voilà. Alors après, il y a eu beaucoup d'invitations dans d'autres écoles pour que je vienne. Je ne peux pas aller partout. Et surtout, j'ai compris que le meilleur témoignage, la meilleure façon de toucher les cœurs, c'est tout simplement par d'autres jeunes, les jeunes évangélisateurs, les jeunes missionnaires de nos propres générations. Il y avait un problème technique, c'est que moi je faisais mes tournées dans les écoles pendant l'année scolaire évidemment, et les jeunes qui voulaient m'accompagner eux-mêmes avaient leurs études, donc ils ne pouvaient pas arrêter pendant 3 semaines pour m'accompagner. Sauf une fois où au Liban, en pleine guerre, je me suis fait accompagner d'un jeune, René Luc, qui est devenu prêtre depuis d'ailleurs. Voilà, avec des béatitudes, des missions de béatitudes là-bas. Alors c'est comme ça qu'est venue l'idée, tout simplement, comme il y avait les propositions de jeunes pour évangéliser avec moi, et de l'autre côté, une autre pile de mails pour m'inviter dans les écoles, et bien mettre les deux ensemble, l'offre et la demande, voilà, mettre ça ensemble, et c'est comme ça que j'avais commencé une école de prière et d'évangélisation de 30 ans qui porte le nom de Jeunesse Lumière. Voilà. On nous a donné un beau bâtiment dans le Tarn, dans les montagnes du Tarn, dans le sud-ouest de la France. Et depuis, il y a d'autres écoles comme ça, fondées par des anciens en Pologne, au Bénin, en Afrique, en Italie, bientôt en Ukraine, voilà, ça se répand un petit peu. Alors, c'est des jeunes qui interrompent leurs études, leur travail pendant 1 année ou 2 ans, quelquefois 3 ans, mais la plupart c'est 1 année, pour consacrer 1 année de leur jeunesse au Seigneur. Voilà, leur fidèle peut nous en dire quelques mots, puisqu'il est là. Tu peux dire quelques mots de GL, et puis après on va passer à des mots, avec des visages de jeunes saints d'aujourd'hui, enfin de contemporains. Voilà, quelques mots sur GL, je t'entends bien. Alors, tu tiens ça aussi. Alors, c'est donc, comme Daniel disait, 1 année où on se retrouve en jeunes de plusieurs pays. C'est une école des jeunes par les jeunes, donc c'est en responsabilité d'autres jeunes qui s'occupent de ceux qui viennent une première année. Et nous vivons dans une grande maison, chacun a sa chambre, mais toutes les autres pièces sont en commun. Et nous partageons une vie basée sur 4 points importants. Le premier point, c'est la prière. Donc nous avons des temps de prière ensemble, toute la journée, chaque jour. Donc, les prières de l'Église, donc les lots, les vêpres,
Et nous avons la chance, puisque nous avons Daniel Ange avec nous et d'autres prêtres, nous avons la chance d'avoir la messe tous les jours. Et la messe, c'est pour nous le rendez-vous avec le bien-aimé Jésus. Et il y a donc un groupe de jeunes qui tourne chaque semaine. Il y a plusieurs groupes, mais il y a un groupe qui s'occupe spécialement de ces temps de prière pour les organiser, pour les chants, la guitare, tout le piano. Et c'est aussi une vie ensemble. Donc, on n'a pas de cuisinier, de femme de ménage ou quoi. Nous nous occupons de la maison nous-mêmes. Donc, vous verrez des photos. Donc, voilà, c'est la chance pour les garçons d'apprendre à faire la cuisine, apprendre à repasser les habits. Et nous avons aussi le troisième point, c'est la formation. Donc, la formation, elle est très importante. Elle est très, très importante. Donc, mieux connaître notre foi, l'Église, mieux connaître aussi les autres religions. Nous avons cette chance-là de découvrir aussi ce que les autres vivent dans leurs églises ou dans les protestants, les musulmans, les juifs, ce qu'ils vivent. Parce que ils sont à la suite de Dieu. De Dieu, ils le définissent différemment de nous. Et pour entrer en discussion avec eux, pour pouvoir les comprendre, il faut quand même savoir ce qu'ils vivent. Voilà, donc nous avons cette chance-là. Et le quatrième point, c'est de partager aussi ce que nous recevons. Nous recevons beaucoup de nos temps de prière, beaucoup de notre vie ensemble, beaucoup aussi des enseignements. Donc nous partons en mission. La mission, c'est d'aller partager ce que nous avons comme joie de connaître Jésus, de vivre avec lui dans notre cœur, de l'avoir rencontré dans notre cœur, avec d'autres jeunes ou avec, enfin, nous allons là où on nous invite, généralement dans des collèges et lycées, mais il nous arrive aussi d'aller dans les maisons de retraite, dans les prisons, dans les radios. Alors, il est arrivé un petit miracle très, très, très touchant. Nous avons une de nos chapelles qui est comme en Orient, comme chez les orthodoxes, les Russes. Et une fois, j'ai dû annoncer à une jeune fille d'Ukraine qui était chez nous qu'on avait assassiné son petit fiancé qu'elle devait épouser 3 mois après l'école. Et alors, c'est évidemment, elle était complètement bouleversée et elle est venue pleurer auprès de la grande icône de Marie, vous voyez là, vous voyez peut-être pas très bien, devant cette icône. Et qu'est-ce qu'on a tous vu? On a vu Marie pleurant, une grande, grande larme, voilà, qui descendait le long de sa joue. C'était vraiment la maman du ciel pleurant avec sa petite fille. C'était très, très, très touchant. Et une autre fois, après mon enseignement sur la virginité et la maternité de Marie, eh bien, toutes les parties de chair, c'est-à-dire les mains, les pieds, les coups, se sont mis à suinter et du parfum qui dégoulinait sur le vêtement de Marie. Là, ça nous a beaucoup, beaucoup touché. Voilà. Et donc, il y a cette alternance, comme Fidèle vient de le dire, entre la vie à la maison, dans la montagne, et puis ces missions dans les écoles, etc. Et est-ce qu'il y en a parmi vous qui étiez hier soir à la veillée eucharistique? Non, vous, non. On avait une veillée. Voilà. Alors, je voudrais raconter justement une histoire de mission, et après, on va passer une histoire assez frappante. Une petite fraternité, donc de 7-8, était dans une école d'agriculture. Et à la fin de notre intervention, il y a un jeune qui dit « Moi, pour croire dans votre soi-disant Dieu, je veux le voir et le toucher. » Alors on dit, ben c'est génial, justement, notre Dieu s'est donné et a touché, c'est le petit enfant et tout et tout. Et c'est, si tu veux, tu le verras ce soir à 8h30 dans l'église Sainte-Thérèse de Montauban. On te donne rendez-vous.
Alors elle dit chiche, chiche. Voilà, on s'engage pour ça. Alors après, dans le minibus, nos jeunes missionnaires, en allant dans une autre école, ils disent: Seigneur, on a peut-être été un peu téméraire, on s'est engagé peut-être un peu vite, mais maintenant, il faut que tu fasses quelque chose. Si tu fais rien pour ce garçon, toute l'école va se moquer de nous, on ne va pas prendre au sérieux tout ce qu'on a dit de toi, donc il en va de ton honneur, de ta gloire, de faire quelque chose. Voilà. Arrive le soir, c'était une grande veillée sur le thème de la sexualité dans la lumière de Dieu. Et après une heure d'enseignement, de questions-réponses, etc., je dis: ben maintenant, on a beaucoup parlé de l'amour, de la vie, du corps, et vous avez le droit de voir celui qui est l'amour, qui nous a donné sa vie à travers son corps. Vous avez le droit de le voir, Jésus en personne. Donc on expose le très saint sacrement. Moi je passe avec l'ostensoir devant chaque jeune pour le bénir. Alors entre l'hostie et l'ostensoir il y avait un tout petit espace, donc je fais voir les visages de chacun en même temps que j'adorais Jésus, et j'arrive devant lui, il s'appelait Martin. Il tombe à genoux avec un visage complètement irradié, illuminé, en pleurant, en pleurant, en pleurant. Et puis court vers l'évêque qui était à la place de fidèle, et court, se précipite en disant: j'ai vu monsieur, j'ai vu Dieu, je crois, baptise-moi. Voilà. Imagine la stupeur de l'évêque. Si j'avais une bouteille de viande, c'était moi, j'aurais baptisé tout de suite. Voilà, l'évêque a dit, ben, il faut se préparer, et tout ça, tout ça. Alors il a été baptisé quelques mois après, mais n'empêche que dès le lendemain, il a évangélisé toute son école. Il a dit ce que les cathos appellent dans le terme technique l'Eucharistie, et ben moi je peux le dire, c'est Jésus, parce que j'ai vu le visage de Jésus dans ce que les cathos appellent l'hostie. Et c'est très beau, parce que nous on avait été les petits Jean-Baptiste. Ces garçons ne seraient jamais venus à cette veillée si on n'avait pas invité, si on n'avait pas préparé le terrain. Et c'est ça ce qu'on va être, je m'exprime, c'est des petits précurseurs, des petits Jean-Baptiste, qui arrangent, si je puis dire, des rencontres personnelles avec Jésus, comme ça s'est fait ce jour-là. Et donc de susciter des nouveaux petits évangélisateurs. Vous voyez ? Alors, on va passer au diapo. Je ne vais pas dire un mot de tous parce que ce serait trop long. Donc j'ai fait une petite sélection d'enfants et de jeunes sur les 10-20 dernières années. La plupart peuvent être parfaitement béatifiés, glorifiés par l'Église, qui sont partis au ciel dans un rayonnement de lumière, j'oserais dire. Alors là, on ne va pas parler de la petite Camille. Faustino, c'est un jeune espagnol qui est parti avec un cancer à 14 ans de Valencia, et qui rayonnait dans son école, c'était extraordinaire, c'était vraiment un petit Jean-Baptiste justement dans son école. Nous passons, voilà. Alors Eric, petit Eric a été tué à 12 ans dans un accident d'ascenseur, juste après avoir fait une petite fête avec ses camarades. Voilà, nous passons. Et ça, c'est un petit enfant du diocèse de Toulon. Vous avez l'évêque de Toulon, justement, qui est venu pour sa première confession. Et ensuite, c'est sa communion, qui est partie au Seigneur à l'âge de 8 ans. Elle a bouleversé toutes les infirmières de son hôpital à Marseille. Tu passes. Voilà, alors ça, c'est la petite Audrey. Audrey, à moitié américaine, elle rêvait de devenir caramélite, comme elle disait. Quand elle a perdu tous ses cheveux à cause de son cancer, elle a dit: je serai la seule caramélite à avoir donné deux fois mes cheveux au Seigneur. Voilà. Et alors, elle priait beaucoup pour un cousin qui refusait de répondre à l'appel de Jésus pour devenir prêtre.
Il s'appelle Steve. Alors un jour, elle a demandé à tricoter une écharpe pour Steve. Et en fait, elle a fait une écharpe très longue qui descend jusqu'au pied, avec des tas de petites croix brodées dessus. Et quand elle est partie au ciel, Steve, avec trois autres cousins, les quatre sont entrés au séminaire, et Steve a dit sa première messe avec cette belle étoile qu'elle avait dans son lit d'hôpital. C'était vraiment la maman spie de ses parents. Elle disait à son papa, c'est pas élégant, c'est pas bien de fumer, il faut que tu arrêtes. Papa, il ne faut pas que tu ailles voir ce film, je sens que c'est pas un bon film pour toi, papa. Et alors les parents étaient bouleversés par... Alors, un ami du papa lui dit, mais enfin, c'est une honte que tu obéis à ta fille, c'est donc à l'envers, etc. Réponse du papa, oui, mais le problème, c'est qu'Audrey dit toujours la vérité. Voilà. Et donc, c'était la petite maman spie de ses parents. Voilà. Il y a un très beau livre sur elle. Tu passes, ça c'est elle avec Jean-Paul II. Mais après, elle a dit, mais ce qui m'intéresse, c'est pas le pape, c'est Jésus. Je veux voir Jésus. Alors, nous passons. Ah, ça, c'est une autre petite, atteinte de trisomie, une rayonnante petite sainte du diocèse de Toulon, qui est partie au Seigneur il y a un an, à l'Émérancienne. Voilà. Et on voudrait la béatifier en même temps que son médecin, qui était le fameux professeur Jérôme Lejeune. Vous avez peut-être entendu parler, on le verra un peu plus loin. Et donc, on voudrait les béatifier tous les deux ensemble. Là, c'est encore elle. Nous passons. Alors là, c'est un fan de l'équipe de France de foot. Et il va attraper un cancer aussi, lui. Il est parti au ciel à 15 ans. Il était passionné par le pape Benoît XVI. Curieux, à 14 ans, il disait tout ce que le pape écrivait. Son papa est diacre. Et lui aussi a bouleversé tout son hôpital, les médecins, les infirmières, par son perpétuel sourire, sa bonté, sa gentillesse, sa serviabilité. Voilà, nous passons. C'est encore lui. Nous passons. Ici, c'est la petite jeune Marie qui a été tuée à 10 ans en Alsace. En Alsace, le jour du cœur de Jésus. Et quand on a demandé à son frère, qui est prêtre maintenant, est-ce que tu pourrais supporter de voir son meurtrier pendant le procès, il a dit, je ne veux pas le voir comme un monstre, comme disent tous les journaux, mais comme un enfant de Dieu qu'il peut encore devenir. Et je suis sûr que ma petite sœur, Jeanne-Marie, en arrivant au ciel, a dû dire à Jésus, Jésus, je veux l'âme de mon tueur. Je veux qu'il vienne au ciel avec moi. Je veux sa conversion, un petit peu comme Thérèse, avec la fameuse histoire du meurtrier Pranzini. Voilà. Et il vous fait la prière, elle obtient beaucoup, beaucoup de grâce, petite jeune Marie. Nous passons. Ici, c'est une petite Sardaigne qui composait beaucoup de chants à la guitare, qu'on chante dans tous les groupes de prière de Sardaigne. Et voilà, tu passes, on ne peut pas tout raconter. Anne-Lorraine, la Schmitt, qui a été tuée dans le métro de Paris, le jour de Christ-Roi, en allant à la messe avec ses parents, voilà, pour protéger sa virginité. Elle rêvait d'être journaliste chrétienne dans les médias pour diffuser la vérité, une boute en train, toujours joyeuse et très très aimée des élèves dont elle s'occupait à l'école de la Légion d'honneur à Paris. Voilà, nous passons à Lorraine. Alors, tu passes la suivante, c'est la même. C'est Myriam Ascar, une petite Libanaise, très populaire parmi les musulmans, elle aussi tuée pour protéger sa virginité. Et alors là, c'est lors d'une émission de télé,
où elle, dans un grand éclat de rire, elle est en train de dire « Je voudrais que mon visage ressemble à celui de Jésus et je suis tellement fière de Jésus. I'm proud of Jesus. » Nous passons, c'est la même, et c'est sa Bible toute maculée de sang parce qu'elle priait dans une petite chapelle quand elle a été tuée. Et donc, voilà. La même chose au sud de l'Italie, aussi une martyre pour la virginité. Elle s'appelle Santa Scorese. Santa, c'est son prénom. Nous passons. Oui, on va passer, on ne peut pas dire tout du tout. Ici, c'est Guido, un surfeur professionnel de Rio de Janeiro, jeune médecin. Mais qui voulait devenir prêtre, et il organisait des grands concours de surf, et avant de se lancer sur les vagues, on passait une heure de prière sur la plage, à méditer sur une page de l'Évangile. Voilà, et puis on s'est lancé. Voilà, et puis effectivement, il a été emporté dans une grande vague, à 3 ans, et on va bientôt le béatifier pour la joie des Brésiliens. Après, alors ça c'est un jeune du conservatoire de Versailles, qui était dans l'orchestre international pour les chirurgies de Madrid. Voilà. Et un soir, il téléphone à sa maman de Madrid. Je suis tellement heureux et fier, je vais jouer devant le parc dans quelques jours. C'est fantastique, je n'ai jamais été plus heureux de ma vie. Et curieusement, on l'a retrouvé le matin. Elle avait une crise cardiaque, mais gardant un grand sourire sur ses lèvres. Et sa maman m'a dit mon fils est mort de bonheur. Et mon bonheur était trop heureux, son cœur a éclaté de joie. Voilà. Alors ici, Sophie Morière, qui est-ce qui a entendu parler d'elle? Petite Sophie, elle partait avec 400 Français de Paris et de Lyon à la GMJ de Rio l'année dernière. Il y a 2 ans, je ne sais plus. Voilà, et un accident de car en Guyane, j'avais 400. Elle a été la seule qui a été tuée. Et c'est elle qui faisait les reportages quotidiens pour Radio Notre-Dame. Elle racontait au jour le jour tout ce qu'elle vivait. Et quelqu'un, attends, revient sur Sophie. Et curieusement, en rentrant dans l'avion à Paris, elle a dit à sa compagne presque à chaque GMJ, il y a un ou une jeune Français qui part au Seigneur, et ce sera peut-être moi cette fois-ci. Et ça a été elle. Voilà. Et ses parents ont donné un témoignage bouleversant, la manière dont ils ont vécu ce départ tellement brutal. Ils viennent d'écrire un petit livre qui s'appelle « Le ciel m'est devenu familier ». Le ciel est devenu tout proche de moi. Où ses deux frères et sa sœur témoignent comment ils ont vécu depuis un an avec elle au ciel. Où ils la sont tellement, tellement proche d'elle. Ils disent c'est incroyable. Et on a l'impression qu'elle est encore plus proche maintenant qu'elle est au ciel. On lui parle tout le temps. On a l'impression qu'elle nous parle. Elle nous arrange des tas de petites surprises comme elle faisait sur terre. La chose des délicatesses, ben ça continue. On a des tas de délicatesses, des petites surprises du Seigneur. On est sûr que c'était des clins d'œil de notre Sophie. Voilà, elle trouve toujours une place de parking pour son papa, etc. Son papa était directeur de la revue sportive L'Équipe. Voilà. Et donc beaucoup de gens dans l'équipe de rédaction, ils ne sont pas du tout chrétiens, ont été bouleversés par la manière chrétienne de vivre un départ, une naissance au ciel. Car c'est vraiment naître au ciel après le temps de gestation sur la terre. On n'est pas fait pour rester toute la vie sur la terre, comme un enfant normalement pas rester plus que 9 mois enceinte de sa maman. Et du coup, mourir, c'est vraiment ça, notre naissance. C'est le mot d'ailleurs technique, liturgique. On dit dies natalis, le jour de la naissance. C'est notre Noël au ciel.
Voilà. Et nous continuons. Alors là, on va passer, on ne peut pas parler tous. Alors là, c'est assez récent, c'est à la veille de Noël, il y a 9 mois. Charles et Pierre, deux jumeaux de Versailles. Charles était sous-officier dans l'armée de l'air, et deux piliers de leur paroisse, la cathédrale de Versailles. Ils organisaient des tas de choses pour les jeunes dans leur paroisse. Ils ont eu un accident en montagne la veille de Noël. Ils montaient sur une pente du Mont Blanc. Et il y a eu le glacier qui, enfin bref. Et donc, ils ont beaucoup marqué tous leurs camarades dans leurs différentes universités, écoles, entre autres à Grenoble. Il y a juste un mois, j'ai pu accompagner en partie un groupe de 35 de leurs amis qui sont montés à cet endroit pour construire un hôtel et célébrer la messe. Nous passons. Alors là, c'est une fille de Jeunesse Lumière du Rwanda. Alors elle avait beaucoup de problèmes avec son identité féminine. Elle rêvait d'être garçon, elle jouait au garçon, c'était vraiment un garçon manqué. Et on a vu pendant un an, c'était très beau, comment elle a découvert et comment elle a grandi dans sa place spécifique de femme. La première fois de sa vie, elle a été achetée de mettre une robe. Elle avait toujours refusé de mettre une robe, c'était trop féminin. Et tout à coup, elle apparaît un soir en robe. Et on a vu vraiment, c'était très très beau, devenir pleinement ce qu'elle est, fière et heureuse d'être fille. Et puis, elle avait un problème avec son papa. Depuis 10 ans, c'était un conflit très très fort avec son papa. Alors, elle va au Medjugorje. Nous avions une mission pour le festival des jeunes à Medj, et là elle téléphone à son papa pour lui demander pardon. Et alors son papa éclate en larmes, évidemment, lui demande pardon à son tour, et cette réconciliation leur a permis de vivre plus ou moins de grande intimité spirituelle, papa et sa fille, car elle a attrapé un sale cancer fulgurant. Elle était à l'école d'infirmière après son année à Jeunesse Lumière, car elle rêvait de rentrer comme infirmière au Rwanda. Et voilà que. Voilà. Et ces funérailles, que je préfère appeler anciennement, le papa, après avoir raconté ce que je viens de dire sur le pardon, la réconciliation, a dit ben voilà, aujourd'hui, c'est les noces de ma fille avec le roi du ciel. Donc, nous devons fêter son mariage avec Dieu. D'ailleurs, on y pense, c'est comme ça. On dit, pour dire que quelqu'un est parti au ciel, on dit il ou elle s'est marié avec Dieu. Après le temps des fiançailles sur terre, c'est notre mariage, parce que plus rien ni personne ne pourra nous séparer de Jésus au ciel. Et toutes ses cousines en grand pagne blanc ont dansé autour de son petit cercueil blanc. La danse réservée aux jeunes mariés à la sortie de messe de mariage au Rwanda. C'était très très beau. Il y avait une onction, une douceur, une paix. Et voilà, petite Angélique, son nom. Angélique, nous passons. Robin a aussi un merveilleux jeune lépreux de 22 ans du Cameroun. Et il refusait de prendre les somnifères alors qu'il avait tellement, tellement mal, parce que la nuit il voulait adorer Jésus de son lit. Je me suis couché dans ce lit, donc j'ai vu ce qu'il voyait. Il pouvait voir le tabernacle et sa petite lumière rouge dans la chapelle à côté. Il voulait adorer toute la nuit. C'est un fan de Thérèse. Et il est parti au ciel le jour où Thérèse est partie au ciel, le 30 septembre. Alors c'est un capitaine de foot, il était très fort en foot. Il disait je veux entraîner tous les jeunes de ma génération vers Jésus. Voilà, Robert, hein, nous passons. Claire, vous avez tous entendu parler d'elle, c'est Chiara Luce, la dernière jeune qui a été béatifiée. Pas la dernière, j'en ai beaucoup d'autres qui vont suivre, entre parmi vous sûrement, mais disons la dernière en date.
Alors elle a un cancer des os très très douloureux. Et un jour son papa est sidéré parce que par le trou de la serrure, il le voit dans son lit tout seul avec un grand sourire. Alors il rentre, il tombe à genoux, il dit pardonne-moi, j'ai regardé par le trou de la serrure, j'aurais jamais dû, un papa ne pas regarder sa grande fille par le trou de la serrure, c'est très mal, mais j'aimerais que tu me dises à qui tu souriais. Réponse, ben je souriais à Jésus parce que je sais qu'il souffre beaucoup de me voir souffrir et je vais lui montrer pour le consoler que je suis contente et heureuse de l'aider à sauver le monde. Voilà. Et elle se fait faire par sa maman, et sous ses instructions, aussi une robe de mariée pour être enciennée comme un mariage. Et un jour, la Saint-Valentin, elle envoie ses parents dans le meilleur restaurant de la région. Elle téléphone la mère pour réserver les places, en disant « Papa, maman, je peux vous soigner tous les deux ce soir, comme deux amoureux, et surtout ne parlez pas de moi. » Parce qu'évidemment, on ne parlait que d'elle, c'était... Et voilà, vous pouvez vous détacher aussi de moi, parce que quand je serai au ciel, il ne faut pas vous penser qu'à moi, qu'à moi. Il faut continuer à vivre. Comme ça, elle préparait ses parents. Voilà. Nous passons. Petit cas là. Alors là, c'est un jeune Brésilien qui avait organisé un grand festival de jeunes où il m'avait invité. Il rêvait de fonder Jeunesse Lumière au Brésil et il s'occupait beaucoup au Brésil de susciter ses promesses de chasteté, c'est-à-dire pas avoir de relation sexuelle avant son mariage. Et ce sont des centaines de milliers de Brésiliens dans les grands stades, les aéroports. On organise des festivals de jeunes pendant toute la durée du carnaval. Et moi-même, j'ai vu, dans un stade immense, ces dizaines de milliers de jeunes qui faisaient cet engagement devant le Seigneur. Voilà, Ronaldo, il s'appelle Ronaldo, la communauté Shalom. Nous passons. Alors ici, nous sommes aux États-Unis. C'est une petite Rachel. Ses parents ont divorcé à 12 ans, quand elle a 12 ans. Et du coup, elle veut se venger par l'amour. Elle va créer un petit groupe d'ados qui vont jouer des sketchs et des chants dans les prisons, dans les maisons de personnes âgées. Voilà, partout où il faut consoler, apporter un peu de joie. En même temps, elle crée des cercles bibliques dans son lycée, dans son collège plutôt. Voilà. Et un jour, elle est furieuse parce qu'il y a une vidéo qui remporte un concours rempli de viols, de meurtres et tout ça. Et elle va voir les deux auteurs pour leur parler de Jésus et pour essayer de les arracher à ce monde de violence et de mort. Et ce sont ces deux jeunes qui vont revenir trois jours après et qui vont lui poser une question. « Do you believe in God ?»« Est-ce que tu crois en Dieu ?» Réponse « Yes, of course I do !»« Bien sûr que j'y crois !» Alors, just go and join him, va le rejoindre. Il a été tué comme ça, à 14 ans. Et elle a un merveilleux petit carnet spirituel où elle parle à Jésus. Et elle est comme petite Thérèse, elle va vivre une grande épreuve intérieure. Elle se sent abandonnée de Jésus, elle se fâche sur Jésus en disant « Tous mes camarades m'abandonnent depuis que je t'aime. » Et puis maintenant, toi, j'entends, c'est toi qui m'abandonnes, c'est pas bien Jésus, etc. Très beau. Et dans la même école, nous passons, mes trois classes plus haut, il y a la petite Rachel, Cassie. Alors elle est dans une secte satanique à 12 ans, et pour l'anniversaire de Hitler, elle doit tuer ses parents. Il y avait déjà eu quatre couples de parents tués par leurs enfants. Alors les parents sont épouvantés parce qu'ils en vendent, ils découvrent le projet. Donc ils déménagent dans une autre ville pour l'arracher à ses mauvais camarades. Elle ne dit plus un mot à ses parents pendant trois mois, tellement elle est furax. Mais dans cette école, une petite école protestante, tout le monde prie. Avant et après chaque cours, il y a une belle ambiance d'amour du Seigneur. Et il y a une autre élève qui lui dit « Cassie, je ne supporte pas de te voir toujours triste, je veux partager mon bonheur, je veux que tu sois heureuse, viens avec moi le week-end suivant. » Alors c'est un week-end de jeûne.
dans les montagnes des Rocheuses, elle est bouleversée par la beauté des chants d'adoration, la beauté des étoiles, comme ça, j'avais vu d'étoiles avant, et elle redescend de la montagne lumineuse, ardente. Son premier sourire depuis 6 ou 7 années. Il n'avait plus souri depuis 7 ans. Voilà, alors ses parents pensent qu'il est tombé amoureuse. Effectivement, je suis tombé amoureuse de Jésus et je vais retourner dans mon premier lycée pour partager mon nouveau bonheur. Et un matin du 19 avril, elle m'offre un petit bien camarade en disant « Je sens que je vais donner ma vie pour Jésus, c'est tellement beau parce que lui a donné sa vie pour moi et de toute manière, c'est pas la peine de vivre si on ne sait pas pour qui mourir. Et tu dois être prêt à chaque instant à entrer de plein pied dans l'éternité. » Et une heure après, c'est le même massacre que pour Rachel, par les deux mêmes, 605 camarades à elle, qui vont tuer 13 élèves. Ils lui posent la même question, « Do you believe in God ?» Un immense « Yes !» Son papa dira que ce grand « oui » final, c'est le fruit de tous les petits « oui » qu'elle disait depuis 2 ans, chaque fois qu'on lui demandait un service. Donc jusque-là, elle disait toujours « non, 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 non », elle refusait tous les services qu'on fait du monde. Et ensuite, c'était « yes, 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 avec joie, with joy », etc. Et alors, elle aussi a un carnet spirituel qu'on a publié, magnifique. Et ce sont des dizaines de milliers de jeunes Américains et Canadiens qui se sont convertis suite à ces deux martyrs. Bon, des martyrs d'évangélisation, puisqu'ils annonçaient Jésus dans leur école. Alors rassurez-vous, vous pouvez parler de Jésus sans être forcément Dieu. Ça arrive une fois sur 1 million, donc n'ayez pas peur. Mais c'est beau de savoir que des jeunes de votre âge, eh bien, sont martyrs pour avoir annoncé Jésus dans leur école. Voilà, c'est deux jeunes protestantes. Voilà, après, Camille Hommel, je vais prier sur sa tombe dans 1 heure, et c'était tout près d'ici, elle est partie au ciel à 20 ans. Dans une immense joie en disant, mais ma vie a été tellement belle, une plénitude, je suis toute prête à partir voir le Seigneur. Elle a fait une lettre, une sorte de testament pour les jeunes de Paris. On l'a lu dans toutes les écoles de Paris. Peut-être certains ont entendu, c'était il y a 1 an environ. Camille, il s'appelle Camille. Il s'est converti, si je puis dire, à Medjugorje, comme tant d'autres. Nous passons. Alors là, c'est très beau. C'est un jeune couple, ils se sont connus à Metz, 2 musiciens, ils ont composé beaucoup de chants. Et elle est tombée enceinte, et en échographie, on a vu que l'enfant ne pourrait pas vivre plus de quelques mois. Ils ont refusé l'avortement, ont accompagné leur petit pendant ces 9 mois. Ils ont vécu ça comme une grande grâce de le mettre au monde du ciel dans une grande paix, une grande douceur. Deuxième enfant, de nouveau un énorme handicap, nouveau refus d'avorter. Ils vont l'accompagner tranquillement pendant plusieurs semaines. Troisième enfant, super petit garçon, aucun problème. Et mais c'est elle qui a un cancer. Et donc c'est le choix entre la maman et l'enfant. Parce que l'enfant ne va pas supporter les traitements de chimio. Et avec son merveilleux mari, Enrico, que nous connaissons en jeunesse lumière, sans hésiter, elle va dire, ben non, je vais partir au ciel, je m'occuperai de mon enfant, le haut du ciel. Voilà, parce que comme Thérèse, elle veut passer tout son ciel à faire du bien sur la terre. Voilà. Et on touche du doigt combien au ciel certaines personnes ont un rayonnement extraordinaire sur la terre. Et donc elle est partie 1 semaine après la naissance de son petit David, je crois que c'est le nom. Francesco. Après, voilà. Et alors, à l'enterrement, c'était très beau parce que lui a joué à la guitare tous les chants qu'ils avaient composés ensemble, les mêmes chants qu'ils avaient joués pour leur mariage. Et c'est très beau, ils ont repris les mêmes chants. Voilà, elle s'appelle Chiara, c'est encore elle, à Medjugorje. Voilà, alors ici, c'est au Burundi.
un pays où il y avait nouveau beaucoup de troubles depuis quelques semaines. Je parle beaucoup de prier au Burundi, parce qu'après-demain, il y a des élections extrêmement difficiles. Et alors, c'est 40 jeunes dans un petit séminaire, c'était des jeunes de 16 à 25 ans, à 5 heures du matin, dans leur dortoir, les rebelles, comme on les appelait, leur ont donné l'ordre de se séparer par ethnie, parce qu'il y avait la guerre civile dans tout le pays, entre deux ethnies, comme au Rwanda, comme j'ai raconté, et ils étaient 50-50 dans l'école. Voilà. Et ça faisait déjà plusieurs mois que, sentant la guerre approcher, ils faisaient un immense travail entre eux pour découvrir la beauté de ceux de l'autre ethnie. Toutes leurs valeurs, leurs dons, leurs charismes. Un immense travail pour résister contre tous les virus de division entre eux. Et c'est juste après Pâques que je ne dis pas, donc il y a cette impression, comment les Tutsis ici, les Hutus là, si vous obéissez, seulement la moitié seront tués, l'autre moitié sera libre. Eh bien, pas un seul n'a accepté d'être séparé de ses frères. Ils étaient d'abord cachés sous les lits, mais ils ont tout de suite été découverts, évidemment. Ils se sont redressés, ils sont tous pris par la main. Ils ont dit, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous avons tous le même Père du ciel. Et jamais vous ne nous séparerez. Ou vous nous tuez tous, ou personne. Voilà. Et ils ont chanté notre Père pendant le massacre, il y avait 40 tués dans le dortoir, et une centaine qui, en s'échappant, en courant, surtout par la fenêtre, ont été très blessés. On a mis un an à se remettre leurs blessures dans les hôpitaux, où ils ont donné un magnifique témoignage d'amour fraternel entre ethnies différentes. En même temps, on a construit une chapelle. On voit une photo au martyr de la fraternité, et toutes les écoles du pays viennent en pèlerinage. Là, c'est un exemple extraordinaire qui a fait le commencement de la fin de cette guerre. Ces adultes ont été tellement bouleversés de leur courage, ils se sont dit, mais enfin, on est complètement fous de nous entretuer, alors que des jeunes comme ça, ils arrivent à s'aimer, à vivre ensemble. Et un très beau fruit, c'est que plusieurs rescapés ont fondé Jeunesse Lumière au Burundi. Ils sont 4000 jeunes, à peu près 3-4000, qui font deux fois par an un engagement à donner tout leur argent de poche et leur temps libre pour servir les pauvres. Deuxièmement, jamais tricher à l'école ou au travail, quitte à rater ses examens. Et troisièmement, pas de relation sexuelle avant le mariage. Voilà. Ils sont 4000, ils ont pris ce beau nom de Jeunesse Lumière, on a beaucoup de liens avec eux, évidemment, et c'est un fruit de leur martyre. Nous passons, alors là on va passer, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, c'est un prêtre polonais, il y a Toshko, tu passes, encore lui, tu passes, on n'a pas le temps. C'est un jeune missionnaire suisse qui a été tué au Tibet à 32 ans. Il était parti évangéliser un village au Tibet, Maurice. Frère Roger de Thésée, que beaucoup connaissent. Nous passons, on n'a pas le temps. Ici, il revient un instant. C'est un jeune paysan autrichien qui est martyr d'objection de conscience. Il a refusé de prêter serment à Hitler quand il a été embrigadé de force dans l'armée nazie. Et sa merveilleuse petite épouse, que je connais bien, l'a beaucoup encouragé en disant, tu vas suivre ta conscience, on va être séparés, parce que pour quelques années, on va se retrouver au ciel très bientôt. Et on a toute leur correspondance pendant 2 ans, alors qu'il est en prison à Berlin. Magnifique, où il dit, mais quel bonheur de donner ma vie pour Jésus. Et là, ils ont 3 filles, que je connais aussi.
donc il a été béatifié comme le saint de l'objection de conscience, du courage. Voilà, Franz, il s'appelle Franz. Ici, c'est un jeune prêtre de Versailles qui a été tué dans un accident de montagne en préparant une montée en cordée avec un groupe de jeunes rayonnants encore aujourd'hui, on en parle beaucoup à Versailles. Il s'appelle Jean-Paul Hivernat. Nous passons, ça c'est le martyr actuel en Irak. On s'en va haut, ensuite vers Raguet, le jeune prêtre irakien. Vous savez qu'en ce moment même, il y en a tellement qui ont été tués simplement pour ne pas renier Jésus, pour ne pas devenir musulmans. Ils ont préféré être tués en ce moment même, et ça continue presque tous les jours. Il y a des centaines de milliers de réfugiés qui ont tout perdu, leur pays, leur terre, leur maison, leur travail, tout, plutôt que de perdre Jésus. Alors, en ce moment. Alors donc, entre autres, de Pakistan, il était ministre des minorités, c'est-à-dire qu'il devait s'occuper des chrétiens. Il a été visité dans sa prison une jeune maman qui a été condamnée à mort, s'appelle Asia Bibi, parce qu'elle a, sans savoir, elle a bu dans un gobelet d'eau réservé aux musulmans. Donc elle a été condamnée à être lapidée en public. Heureusement, le monde entier, on a réussi à stopper le processus, mais elle est toujours en prison, la petite maman. Alors lui, le ministre, a été la réconforter en prison. Et pour le punir, il a été tué dans sa voiture dès le lendemain. Il a laissé un testament magnifique en disant « Je suis ministre du gouvernement, je ne cherche ni l'argent, ni le pouvoir, ni le prestige. Je veux qu'une toute petite place au pied de mon Seigneur Jésus. » Pour servir ses pauvres, parce que dans chaque pauvre, c'est Jésus que je vois. Et si jamais je dois mourir, parce que je suis menacé de toutes parts, ce sera un tel honneur de pouvoir donner ma vie pour les pauvres et pour Jésus. Voilà. Shabbas, ça s'appelle Shabbas. Ça, c'est une merveilleuse firme aux béatitudes du Gabon, à Libreville. J'ai bien connu par la mission de Jeunesse Lumière là-bas, qui avait tout organisé, et elle s'est battue pour obtenir que les malades psychiatriques ne soient pas enfermés dans des horribles cachots de prison, mais vraiment bien soignés dans un hôpital. Elle a réussi. Donc, c'était la petite mère Teresa de Libreville, Estelle. Alors, nous passons, on ne peut pas expliquer tout, ça c'est Benoît XVI à une de ses premières messes. Nous passons, qui est-ce qui le reconnaît? C'est le roi Baudouin de Belgique, qui est une figure magnifique, un grand amoureux de Thérèse et de la Vierge Marie. Il a fait un acte héroïque de refuser la loi légalisant l'avortement, en disant « Est-ce que je serais le seul Belge qui n'aurait pas le droit à l'objection de conscience ?» Et un roi doit toujours être l'avocat et le protecteur et des plus faibles, des plus fragiles, des plus petits de son peuple. Donc je suis aussi le roi de tous ces petits-enfants dans le sein de leur maman. Voilà. Et du coup, il a donné sa démission de roi. Il a dit « Je préfère perdre le trône plutôt que de signer cette loi que je ne peux pas signer en conscience. Devant Dieu, je ne peux pas faire ça. » Et puis alors, c'est une catastrophe politique en Belgique, parce que c'est le roi qui fait l'unité de la Belgique, comme vous savez. Il n'y a plus de monarchie, il n'y a plus de Belgique. Et donc, on a réuni tous les parlementaires, 480 parlementaires. Qu'est-ce qu'on fait? Et tous ont voté à l'unanimité, avec les quatre abstentions. Il faut qu'il reste le roi. Et même ceux qui n'étaient pas d'accord avec sa position, eh bien, ils ont dit, nous avons besoin d'hommes courageux en politique. Au moins, c'est un homme qui a le courage de ses convictions. Et il a été comme réélu, si je puis dire, comme roi. Voilà. Il m'a avoué, parce que je lui ai apporté une cassette où on entend 10 000 jeunes américains dans un stade aux États-Unis où j'avais prêché, qui sont en train d'acclamer leur roi Baudouin, le geste roi Baudouin.
vous avez le droit d'entendre aussi qu'il y a toute une jeunesse pour qui vous êtes un modèle, un prophète. Et il m'a dit, je n'aurais jamais eu cette force d'âme si je ne priais pas l'Esprit Saint tous les jours pour tout ce que je peux faire aujourd'hui, pour toutes les rencontres. Voilà. C'était vraiment un petit enfant de Marie. À l'heure des apparitions de Medjugorje, il arrêtait tout, même dans son bureau, pour dire à un Ave Maria. Voilà, c'est un grand grand saint, Baudouin. Et nous terminons. Alors c'est encore lui, mais c'est la dernière photo avant qu'il ait cette crise cardiaque en Espagne. Et il est tout sourire, il était toujours souriant. Et c'est devant un tableau qui représente la Jérusalem du ciel, avec l'agneau immolé. Voilà, et donc c'est un symbole assez impressionnant. On le voit déjà entrer dans la Jérusalem céleste. Voilà, après nous avons... Alors là, c'est un peu la même histoire que Chiara Corbella, mais 30 ans avant. C'est Chiara Gianna Beretta-Molla qui aussi a préféré partir au ciel pour que vive sa dernière fille qui témoigne encore beaucoup de sa maman. Elle était médecin pour les enfants. Voilà. Alors là, ben ça vous l'avez reconnu ou pas, le jeune Jean-Paul II qui passe, et le voilà quelques années après. Voilà, et nous terminons avec le merveilleux professeur Jérôme Lejeune, qui a pris la défense avec tant de courage des petits-enfants portant un handicap, qui est un très très grand saint et va bientôt être béatifié. Et quand Jean-Paul II est venu à Paris pour la JMJ, il a tout fait pour aller prier sur la tombe de son ami Jérôme le Jeune. Et ils ont chanté un chant de jeunesse-lumière autour de sa tombe. Marie, etc. Voilà. Et le plus beau témoignage, ça a été à Notre-Dame de Paris pour son enterrement. Un jeune qui l'avait soigné, qui avait la trisomie, qui est venu au micro et a dit cette phrase extraordinaire. Papa Jérôme, merci pour toi, car à cause de toi, je suis content d'être moi. C'est un extraordinaire hommage à Jérôme. Alors voilà, c'est quelques figures, beaucoup d'autres, pour vous dire que c'est plein de saints dans le monde d'aujourd'hui, que ce soit des enfants, des parents, des jeunes de votre âge, et qu'on peut très bien être béatifiable, être béatifié par un pape, si on part au ciel à 12 ans, 15 ans, 18 ans. Et voilà. Et l'important, c'est de simplement aimer Jésus, être un petit enfant de Dieu, fier, heureux, joyeux de l'être dans sa vie quotidienne, tout simplement. Voilà ce que je voulais partager un petit peu avec vous. Voilà. Et puis savoir qu'au ciel, comme Thérèse, on peut être super actif, on peut continuer à évangéliser. Regardez Thérèse, c'est incroyable, la tournée de ses reliques dans le monde, mais c'est une chose inimaginable. J'ai suivi un peu son périple en Russie, en Sibérie. Les portes, sa chasse est portée par des soldats de l'armée soviétique qui, il y a 50 ans, arrêtaient des chrétiens, le mettaient en prison, et là, tout fier, porte la petite Thérèse, avec des miracles de guérison, de conversion partout où elle passe. Il faut demander ça au Seigneur, il faut dire: Seigneur, quand je serai au ciel, moi aussi, je veux vraiment travailler sur la terre, continuer à t'annoncer, etc. Il faut avoir des grandes ambitions pour le ciel. Voilà, parce que c'est formidable de penser qu'on a un avenir d'un bonheur illimité, d'une éternité de joie, d'une éternité de louange, d'exultation devant nous. Et ça change toute la vie sur Terre de savoir justement que notre trajectoire file directement vers cette gloire du Seigneur. Je me souviens un jour, je conduisais toute la nuit.
Et puis le matin, le soleil se lève dans l'axe de la route. Donc j'avais juste le soleil, j'étais complètement ébloui. Et à ma stupeur, je remarque que les rayons du soleil se réverbérant sur le pare-brise se mettent à illuminer tous les panneaux de signalisation. Voilà. Ça veut dire que quand on sait où on va, quand on sait qu'on va vers la gloire du Seigneur qui nous attend dans son royaume, eh bien, on comprend tout ce qui nous arrive, tous les événements de notre vie. Voilà. On peut décoder, disons, nos itinéraires. Je dirais ça comme ça. Et savoir que ce ciel où il n'y a plus l'ombre d'un mal, d'un péché, d'une souffrance, d'une horreur, où il n'y a plus de guerre, où il n'y a plus rien, où tout n'est que bonheur, où tout n'est que joie, et ça existe maintenant, en ce moment, même si nous n'y sommes pas encore. Et le fait que Marie ou les saints apparaissent régulièrement sur la terre, c'est pour nous montrer notre avenir, nous montrer là où nous allons. Toi aussi, tu auras un corps aussi glorieux.